De nouveau, nous rejoignons pour un autre nouveau sport. Bonsoir et bienvenue pour suivre dans Special Olympics. Céline remporte son premier médaille d'or aujourd'hui de sa compétition qui peut faire Berlin, l'Allemagne. C'est Jean-Marc De Silva qui remporte médaille d'or et il fait ça dans saut en longueur avec performance 2,38 m. Après, il y a un Suzy Sarakia qui remporte deux médailles, un l'argent et un bronze. Son médaille l'argent vient de compétition simple pour bonne femme de Bochy et bronze dans double femme dans même l'événement. Aniel Charlette il remporte médaille bronze dans compétition double femme et finit sixième dans compétition simple. Dans compétition Bochy pour bonne somme, Peter Valentin et Digua Graham Jacques il remporte médaille bronze. Donc, on a dit félicitations à nos bons athlètes spéciaux qui peuvent participer de sa jouée là-bas à Berlin, l'Allemagne. Aujourd'hui, le 23 juin, la journée internationale olympique et pour commémorer la journée, plusieurs activités ont été organisées. L'école primaire Bélôme a démarré sur la journée avec une série d'activités qui s'incluent défilé de bon habillement relié avec l'olympisme et qu'un fun run l'océan. Ça, c'est parmi plusieurs les autres activités encore qui sont faites aujourd'hui. Vu que c'est l'école normale et c'est l'école pour le moment qui encore en a un club olympique qui active. La journée olympique de l'école Bélôme primaire qui commence avec un rassemblement qui tient club en différents divertissements qui t'y fait dans la présence d'un étudiant à l'école, enseignant ainsi bien que des parents qui nous aussi aidé pour réaliser sa bonne activité pour sa l'occasion de sa l'école. Parmi les activités qui sont à l'école organisées, c'est ben l'habillement relié avec l'ancien olympique, qui de la ben différents matériaux recyclés, qui ont servi pour décoration. Ben les enfants, qui ont l'aide avec les autres parents pour modifier et préparer sa ben l'habillement. Justement, ça l'année, dans le message du président du Comité olympique international, Thomas Bach, il met l'emphase sur la création du mouvement olympique qui est fondé par Pierre de Coubertin. Là, pour marquer la journée à PAD, ça défilé pour montrer bonne récence, tu aussi en a la danse et son son. La danse qu'il tire par bonne zen, ça l'école. Bon enseignant aussi qui profite pour montrer son talent dans la musique. Miss Dorine Mirabeau, qui est enseignante d'éducation physique, est aussi un membre de l'Académie olympique CCL et c'est lui-même qui a initié un programme côté l'école Bélôme primaire, étant donné qu'il est à l'école, il est celle qui en a un club olympique actif. Je veux dire quelque chose à cause de nos grands enfants, c'est que l'école Bélôme nous prépare une quantité pour ça l'événement. Et surtout pour les enfants qui demandent que nous sensibilisons avec les parents aussi, avec le management staff, sensibiliser les enfants pour nous participer aujourd'hui. Ce qui est aussi intéressant, c'est que les enfants, ensemble avec les autres enseignants, ils découvrent un peu de l'école, que les autres affichent des barrières pour montrer les différents sports olympiques, aussi bien qu'ils jouent les passés dans les différents pays dans l'ancienne époque. Et l'autre activité qui vraiment marque la célébration de la journée olympique, il y a l'Olympic Day Run, qui est les enfants à l'école Bélôme, qui participent là-dedans, bon matin, et ça qui commence côté bazar jusqu'à côté de la cour l'école. Là, ça groupe d'enfants qui participent de la course, qui bien motivé, et l'école qui s'y prend avec un petit trophée. C'est Kael Esther qui termine premier en général, deuxième, Tini Ochalo, et troisième, Tichadi Nassino, qui est aussi première fille pour terminer la course. Tous les trois, qui gagnent présenté avec un prix après la course. Ça, c'est un courage. Et seulement, bon, quand j'ai practice, et bon, pour mon sortir premier là, et mon faire ta sport, j'ai mon catataille depuis. Donc, aujourd'hui, mon faire pour mon la sortir. Mon petit cota pour mon petit satisfait. Après, il fait mon premier fois pour mon sortir comme si, côte base à taille, c'est qu'à l'école Bélan. Quoi, tu fais avec des chics? Oui. Tu fais différents sports aussi? Oui. Mon. Nous pouvons faire coach Dan, coach Samuel, et dit nous comment comme si il allait faire football pour Chief Bélôme.
Ça l'école contient avec une compétition athlétique après-midi pour les enfants, ainsi bien qu'une compétition volleyball pour les enseignants. Et même l'Académie Miss Mirabeau, il fait nous comprendre qu'ils ont un calendrier activité avec l'éducation olympique et contient pendant l'année. Nous avons javelin, nous avons relay, nous avons aussi badminton. Et puis nous aussi nous mettons un peu en phase le drawing à cause que Thomas Bach lui-même est président du comité olympique international et nous mettons en phase le bouser bonnes affaires pour dessiner différentes choses qui font partie de ce mouvement sport le bouser. Sinon comment est l'ambiance dans l'école pour Sazou? L'ambiance est fantastique, nous sommes vraiment contents, nous sommes satisfaits avec tout ce que nous avons gagné. Et les parents aussi nous encouragent. Tout le monde qui est en bord est vraiment content, nous sommes vraiment contents, nous sommes satisfaits pour ce succès que nous pouvons faire ici dans l'école Bélo. Cette activité ordinaire, il y a une activité valeuse. Nous ne pouvons pas faire olympique, Paris international, bonne maman, y aller, bonne maman, y aller. Et nous pouvons gagner ça aussi faire avec les enfants ici, nous pouvons dans une bonne vallée. Il y en a trois vallées principales, il y en a friendship, il y en a leadership, friendship, respect avec fair play. Et excellence aussi, nous pouvons donner aux bons enfants pour les autres, pour promouvoir ça aux autres, même aux autres. Et là, nous pouvons promouvoir ça bonne vallée avec les enfants viennent bons bon citoyens dans la bonne société. Et les autres aussi font bonne chose qui bien tous les jours dans autres la vie. Là, on peut guetter, on peut faire des sports, on a différentes qualités d'activités. On peut préparer un action plan pour l'année entière. Et cet action plan pour go according d'après nos plans, nos activités que nous pouvons faire. Bon, l'initiative là, de la passe à l'école Bélom. Nous voyons Beach Soccer à présent. Tournoi de cadre de bonne célébration de la fête nationale. Il a commencé aujourd'hui. Et le match qui a fini, Saint Warriors in Bad Seychelles White 4-3. Satien match pour A. De match pour B qui peut en ce moment, Seychelles Blue peut faire un match draw DD avec l'équipe Burundi. Sa match est dans deuxième tiers. Et après ça, 20-24, dans un autre match pour A, l'équipe en bas 20 ans pour jouer contre Barrea. Et après 10h30, de match pour B, Classic 15 pour rencontrer Lost Boys. Et bonne action de cadre sa tournoi continue demain avec encore 4 matchs qui ne programmé. 5e Barrea pour jouer contre Seychelles White de match pour A. Après 6e match pour B, Lost Boys pour rencontrer Seychelles Blue. À partir 7h30, Saint Warriors pour jouer contre l'équipe en bas 20 ans dans l'autre match pour A. Et dernier match Beach Soccer demain pour jouer à partir 8h45. Là, c'est Burundi qui pour jouer contre Classic 15 dans l'autre match pour B. Nous restons avec sa 6e football même. Salonné, il en a un bon résultat pour Bonne Cécélois dans la compétition Bonne Garçon en baptisant, appelé Madevis Cup, qui t'y fait la France entre les premiers jusqu'à les 7 Samoan. Justement, Salonné Cécile t'y gagne représenté avec l'équipe Rovers en baptisant, qui t'y finit 6e en général. Rovers t'y réussit fait 2 victoires de 4 matchs dans sa compétition internationale. L'équipe Rovers en baptisant, il y a participé de la compétition Madevis Cup qui peut faire la France. Rovers fait sa déplacement avec 8 joueurs et 3 adultes. En tout, il y en a 10 000 à 11 000 à l'équipe en travers les groupes qui peut participer dans Stars Group. Et là, ben, l'équipe qui sorti premier dans la qualification, qui gagne en choisi pour participer de la grande finale. Ouais, moi, je peux jouer plus bien, bon, peu plus bien que nous. Seulement, nous essayons de débrouiller, nous mettons l'esprit ensemble, nous prenons des goûters quand même, nous gagnons battre, nous relever. À l'issue, nous mettons un goal, mon côté, on descend avec une médaille. C'est là qu'on en tout 12 l'équipe qui gagne à choisi et Rovers qui parmi comment inviter pour participer contre Banangan la force de football en travers l'Europe, Paris Olympique Lyonnais, Rosé Paris Lyonnais, Trinity, Zisapunom ND. Performance de l'équipe en général, c'est bon. Seulement, mon poumon, bon pas assez. Mon les voit beaucoup plus et moi connais mon carré beaucoup plus c'est carrément mal. So la balle étant nous arrivé, nous commençons avec un friendly match avec l'équipe qui tient dans nos poules actuellement et ici dans nous un avant-goût qui m'a eu sa compétition pour être là-bas et nous perdons sa match 4 loin et ma match down et nous suspecté pour dire nous perdons gagner humilier. So après nous gagnons un autre friendly match avec une autre équipe qui joue qualification mais les parties qualifiées pour finale et nous battons 4-0. So le temps nous gagnons cette victoire 4-0 nous allons lever pied
So l'étant on arrive là-bas, compétition lui-même lui standard vraiment tef. Sa compétition il fait tous les ans la France, il en est passé, c'est celle qui participe avec Zen à l'équipe nationale team et les autres parti fait bien. D'après Lucas, les autres déplacements se déroulent bien jusqu'à l'aise, ils arrivent côté les autres supposés rester et ben Zen qui vraiment comporte les autres bien et les autres type excité pour participer. Lucas il même fait ressortir qu'il se tient des heures avec les autres qui sont avec dès les autres l'académie. Il fait ressortir qu'il sa dizaine, il peut suivre session l'entraînement avec l'équipe Rovers après décision des autres parents. Et en termes financiers, c'est nous Rovers même qui nous sommes nous bonnes démarches pour nous trouver un financement et nous bonnes sponsors qui nous aident à APSA, Botco, 7 Degrees South, ça un peu de la campagne qui nous aide, nous bonnes individuels aussi. Aussi, nous remercions les autres comptes pour ça, l'aide qu'ils ont donné à nous. Mais à travers la fédération, parce que nous n'avons pas vraiment gagné aucune assistance financière. Même si nous pas gagné aucune assistance, so, là où était majorité quelque chose nous faisons nous-mêmes et nous comptons aussi hein, quelque chose comme un clip nous capable de faire aussi comme si nous football nous clip et développe des façons que nous capable à nous puis capable de faire un trip comme ça sont bien contents et mes parents totalement 100% nous gagnent de support de toute façon financier support moral petit quelque chose qui nous marque les autres nous avec sont bonnes parents tout le temps là et nous tout le temps tout quelque chose bien devant autres et je dois ça qui nous essayer faire sont notre folie on board avec nous. De sa 12 l'équipe, l'équipe Rovers est sortie de 6e position et les autres qui gagnent les autres sacquent une médaille. De sa compétition, il n'y a pas aucune équipe qui est capable de mettre goal contre Olympique Lyonnais. C'est l'équipe qui réussit le score contre sa équipe, c'était l'équipe Rovers. Toujours football, pas oublier qui demain, les John Foundation puis organise un match charitable en l'honneur ancien joueur Refree Football Gonzague Boniface. Ce match pour entre l'équipe vétéran sorti Maé et Ken sorti l'eau pralin et Cladig. Il pour commencer à partir 4 après-midi Stade Populaire et pour aussi en direct l'eau Radio Cécile, ça dans le cadre Radio Foot. Le côté volleyball, de bonne match league pour bonne l'école qui nous joue aujourd'hui, bonne fille et garçon International School, une fait victoire 2-0 l'eau l'école Montfleury, tandis que bonne fille en Spoilo, une batte plaisance 2-7 l'eau N. Et bon match de cadre sa compétition volleyball pour bon l'école pour continuer demain. Disait bon matin contre l'école Vijay International le pralin. L'équipe fille et garçon sa l'école pour jouer contre bonne fille et garçon pralin secondaire. Et le côté tournoi Divisional Cup, c'est demain qui nous pour contre bon finaliste pour bonne femme première division. Le temps bon match semi-finaliste. Disait en premier semi-finale, City Ladies pour jouer contre la Ligue Sisters. Et après 4 heures dans le deuxième match, Cascade pour rencontrer Montfleury United. Ça démarche pour jouer Gymnase La Promenade. Bien voilà, nouveau sport se termine là pour aujourd'hui, mais restez là même devant l'écran parce que pour seulement l'OSBC, pour production locale, Montoussel, l'Oenzil. Mais pour la Madjou, bonsoir et passe un bon week-end.